Yan, artiste peintre chinoise depuis des années, est partie en vacances il y a 3 ans en France. Elle a trouvé ce pays magnifique et très inspirant pour faire ses peintures. En ce moment, elle perd son inspiration. Elle ne fait plus d'exposition. Elle décide alors de quitter son pays pour s'installer à Paris, la capitale française. Ici. Bonjour madame, bonjour. J'ai trouvé ce téléphone sur ma route avec ce tableau. Oui, le téléphone, c'est pas pour moi. Tu viens dans le bon pays, mais le téléphone, c'est pas pour moi. Tu viens de quel pays? Je viens de Chine. C'est moi, monsieur. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Yan. Je suis artiste femme. D'accord. J'ai fait soin. Je n'ai plus d'inspiration. Je n'ai plus fait. Je n'ai plus d'exposition. Je veux maintenant partir en France à Paris. Ah, en France? Moi aussi, je dois aller en France pour retrouver l'amour de ma vie. C'est un jeune français, intelligent et riche. Je te montre une photo. C'est bon. Donc, j'arrive en France, on va se marier, on va avoir des enfants. Comment J'ai rencontré sur l'application Tinder et voilà. Tu veux partir avec moi? Oui, avec plaisir. J'ai cherché ma valise, après on y va. Un passeport, regardez. C'est l'Algérie. Il y a 13. On devrait peut-être lire Oui, tu as raison. Avant d'y aller en France, on va passer par l'Algérie pour le rendre. Ok. Allez, on va. C'est toi Rachida? Oui, c'est bien moi. Oui, nous avons trouvé ton passeport sur notre route.
Oh, merci beaucoup. Je cherchais mon passeport partout. Je dois partir en France pour me marier. Ah, d'accord. Ok. Donc, si tu maries en France? Oui, c'est mon cousin. Il m'a demandé une deuxième fois pour mon mariage. Et la première fois, j'ai refusé parce que j'étais encore jeune, j'étais encore à l'école. Et maintenant, je suis très, très contente parce que la date de mariage a arrivé très vite. Moi aussi, nous aussi, on va en France. Oui, tu viens avec nous. D'accord. Alors, je vais chercher ma valise et c'est parti. Ok, merci. Allez, on va voir. C'est un pays de foot. Il y a un match ici à l'Algérie. On peut y aller avant de partir en France. D'accord, oui. On y va. On y va. J'espère mon pays qui gagnera. Après, on va vite en France. Ah, okay. Allez. Bonjour. Excusez-moi, le stage, place numéro 42. Je me suis trompée, monsieur. C'est ici le numéro 42. Pourquoi? C'est mon place. Ah, vraiment, je suis désolée. C'est pas grave, je charge une autre place. Ah, merci, je suis gentil. Monsieur? Oui? Il y a une place ici, si tu veux. Ah, merci beaucoup. Bonjour. 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 Non, moi je viens de Tunisie. Tunisie? De tes amis? Mes amis. Oh, pardon. Je viens de Chine. Moi je viens de l'Algérie. Bienvenue chez moi. Ah. Qu'est-ce que tu as fait? C'est en Algérie, Tunis, en Chine. C'est moi. Oui, c'est moi. Nous avons trouvé les passeports de la Rachida sur notre route avant d'aller au Tunisie. En France. En France? Oui. Ah, c'est bonne chose. Je veux aller en France aussi. Ah, merci. Oui. Pourquoi? En Nigeria, c'est beaucoup de problèmes de politique. Il n'y a pas de sécurité pour ma vie. Tous les jours, les gens, ils mentent. Mon ami, j'ai parti aux manifestations de police violence, il ment. Maintenant, c'est compliqué pour moi. Je veux aller en France pour une bonne vie avec sécurité pour moi. C'est triste, hein. C'est vraiment désolé. Hein. Tu peux venir avec nous en France? Oui, avec plaisir. Okay. Les quatre nouveaux amis prennent le train direction Paris. De ma place, moi. Où? Salut, vous. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a?
Comment ça? Allez où, monsieur? Vous êtes en Suède? Elle est où la France? Oh, on a arrêté l'arrêt de Paris. Oh là là. Paris? Paris en France? Ah bah oui, il est Paris. Quel change aujourd'hui? Pourquoi, monsieur? Parce que moi aussi je vais à Paris. J'ai quitté la Suède. J'ai décroché le nouvel contrat à l'université de la Sorbonne. Ah oui, je vais devenir le plus grand professeur au monde. J'adore mon métier. Je suis grand homme. Scientifique! Hey. Allez, venez avec moi. Je vous emmène à Paris. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ok, allez, on y va. Attends. Ah, je veux réserver 4 boulets sur Internet. Prochaine adresse, Francfort, en Allemagne. C'est bon, on y va. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le train en provenance de Francfort va arriver en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. Oh, oh là là, j'ai vraiment faim. Moi aussi. On peut s'arrêter manger un petit peu? Oui. D'accord. Regarde là-bas, il a un McDo. Ah. J'arrive, je vais chercher de coca. Vous et vous aussi? Oui, je vais ramener pour tout le monde. S'il te plaît. Désolé, monsieur. J'ai arrêté mon Coca-Cola. Monsieur, faites attention, s'il vous plaît. J'ai vraiment désolé, monsieur. Je n'ai pas fait attention. J'ai vu femme. Je voyage beaucoup, ça me monte. Désolé, monsieur. Mais vous allez où? Je vais aller en Paris. Avec mes amis. Ah, oui, okay. Oui. Et pourquoi vous allez là-bas? Viens te soir, vos amis peuvent expliquer. Ok, d'accord. Merci. Bois Coca-Cola. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Oui, un peu. Et je m'appelle Alejandro. Enchanté. 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 Enchanté, moi c'est Yann. Enchanté, moi c'est Rachida. Enchanté, moi c'est Jamila. Enchanté, moi c'est Elon. Enchanté, moi c'est Olivia. Enchanté. Mais et vous, de quelle origine? Suédois. Algérien. Chinoise. Algérienne. Non. Moi je suis tunisienne. D'accord. Et toi? Je suis vénézuélien, colombien. Je suis ici en Francfort parce que je vais faire une surprise à ma femme parce qu'elle c'est française. Et oui, je suis allé à Paris. Ah,
Bien, félicitations, monsieur. Je vais faire billet avec nous. Et comment tu as rencontré ta femme? Bon, ça c'est une bonne histoire, parce que... Et comme je dis, je suis vénézuélien, j'ai parti à Mexique pour mon club. Et le dernier soir que j'ai rencontré à ma femme, ça c'est parce qu'elle c'est des vacances. Et je suis footballeur. Et j'ai parlé avec elle tout la soir. Et vraiment, c'est la coup de foot pour moi. Bien, félicitations, monsieur. C'est faire Billy, c'est bien avec nous. Prochain arrêt à Paris. Oh, d'accord, Paris. Pourquoi pas? Tu vois, 10 minutes. Oh, 10 minutes, c'est le train. 8, 8, le train arrive. D'accord. Allez, allez, allez. Attendez, je vais prendre les billets parce que je ne fais avant. Une minute, s'il vous plaît. D'accord. C'est bon, c'est parti. Regarde, Paris. Oh là là, la Tour Eiffel, regardez, la Tour Eiffel. Oui, Art de Thun. Oui, oui, tout à fait, oui. C'est pareil que la Chine. Oui. Regardez. Voilà. C'est pas génial. Il est noir. Oui, c'est pas le même. Allez, donne mon téléphone. Moi, je pars en Tunisie. Hein. C'est pas le même. Attends. Ma femme, c'est là-bas. Je vais faire la surprise, ok? Au revoir. Au revoir. Alejandro s'est marié avec le coup de foudre de sa vie. Rachida s'est mariée et attend son premier enfant. Elon vit sa nouvelle vie en France et cherche une formation ou du travail. Jamila est repartie en Tunisie et continue de parler avec des hommes sur Tinder en espérant trouver l'amour de sa vie. Yann a retrouvé son inspiration et fait plein d'expositions. Spectacle vous a plu et peut-être à bientôt pour un nouveau spectacle.